where are we off Bulgaria? Saint Denis. Reunion. Reunion. Et à 20 minutes, un quart d'heure dans le dépistage. Et on a des petits yeux. Mais on arrive et on a hâte. On a hâte. Est-ce qu'on a hâte? On a hâte. On a hâte. Est-ce qu'on a bien mangé? On a très bien mangé. On a très bien mangé. Donc voilà. Je vous montre là-bas au fond, il y a Max, Yann Alric. On voit pas, Yann Alric est caché, mais il est avec une hôtesse. Voilà. On va bientôt atterrir. On a hâte. À toutes. Ciao. De la Réunion, bienvenue, welcome! Hey everybody! Oui, de la Réunion, pas une Maurice Pouquet! Bah, le petit Hugo, très bon, Hugo, très trop, trop mignon, voilà, très très talentueux. Et sa sœur. Et sa sœur. Elle est adorable. Elle est super belle et elle a du chien. Elle a du chien. Elle était très timide l'année dernière et je trouve qu'elle s'épanouit. Et là, on voit une petite tigresse en elle. Voilà. Les parents ont fait du gros travail, ils ont deux artistes dans la famille. Ouais, franchement. Hugo, et comment elle s'appelle?
Comment ça s'appelle? On sait pas, on est désolé, mais en tout cas, vous étiez top. On vous a tous adoré. Et on vous fait des bisous. Bisous. Granny Sita, bisous. 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 Bisous, Max. Bisous, bisous. Bisous, 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 bisous. C'est Reja qui organise Madagascar. Voilà, Reja, j'espère partir à Madagascar. On ira à Madagascar avec Reja. Voilà. Ils nous ont reçus comme des princes, on était reçus comme des rois du coup. Et vraiment, ils étaient top. Voilà. Donc, à bientôt les aventures à Madagascar. Départ avec les amis pour aller faire un tour en bateau. Maxime de Ramès, puis-je montrer vos chaussures au grand public? J'ai paumé mes chaussures. Alors, voilà les chaussures de Maxime de Ramès pour aller faire un tour en bateau. Donc, là, on est à Saint-Leu et on va faire un petit tour en Zodiac ou en Hyper Speeder Boat avec Cristiano Moulinet-Couillet, avec Maxime de Ramès et ses tatas magiques et mon ami Yara. Et là-bas, nous avons notre super mono. Voilà, super mono. Putain, il y a des bruits bizarres là. Excusez-moi, c'était vulgaire. Voilà. Et ça, c'est Seb qui va nous faire un petit tour en bateau. Voilà. Et moi, la découverte des palmes par Maxime de Rémès. Un pélican. Et pour que tout le monde se marre, remuez du popotin en son coin coin. À présent claquez du bec, en secouant vos plumes avec beaucoup plus d'entrain. Emma, elle va sauter. J'ai peur. Mais elle va sauter dans l'eau. Il y a des requins. Oh putain, putain, oh putain. Alors les amis, petit débrief du bateau. Christian, impression. J'ai jamais ri autant. Pourquoi? On avait un cascadeur en fait sur le bateau. Je vous le présente. Vraiment dommage que vous ne pouviez pas voir ce qui s'est passé sur le bateau. Donc j'espère que j'aurai récupéré les images de la GoPro de Seb à mes côtés parce que c'était assez folklore. Et sinon je vous jure, je vous fais une parodie. Vas-y, montre. Non mais pas maintenant. Ah. Si on n'a pas les images, je vous fais une parodie. Okay. Ça va valoir ça. Le coup. Voilà. Valoir on le vous coup. Fera j'ai jamais ri autant. Même tu mets les mêmes. On a découvert des notes aiguës de fou rire. J'avais jamais entendu Mouillette rire comme ça. Ça partait dans les aigus. C'était un phénomène. J'ai pleuré, manqué de respiration, j'ai ri fort. Il y a rien. Vous m'avez mis à la plus mauvaise place. Et en fait, je vous disais, lève-toi alors que c'est accéléré. Alors déjà d'une, ils m'ont mis à la plus mauvaise place, il y a les poissons qui me regardaient. Peu importe, Maxime, peu importe la position. Les poissons qui avaient pêché, ils me regardaient. On en a rêvé du poisson. Les poissons le regardaient, ils sont morts les poissons. Bref. Ils bougeaient les couillons. Pipi, qu'est-ce que t'en penses? Je vous présente Pipi, les amis. Hello les amis. Je sais pas si vous le connaissez déjà, voilà. Donc, en fait, ça va être très rapide. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas beaucoup de cheveux, mais je peux vous garantir que ça décoiffe. Oh, c'était beau. C'était beau. Et Seb, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? On va aller à Miami faire les championnats du monde de chasse. vu la puissance et l'efficacité des chasseurs. Ouais, surtout celui-là. Mais je pense en mon porte-bonheur favori. Je ne pourrais jamais chasser. Bon, ben voilà, prochain épisode. Ça serait le porte-bonheur. Prochain épisode, c'est le bassin du Cormoran. Le bassin du Cormoran, ouais. Trois bassins qu'on va aller visiter avec des cascades, la petite baignade et je pense que ça va être sympa. Voilà. Donc je vous montrerai ça sur vidéo. Tchuss cascadeurs. Regardez mes ongles, ils sont nouveaux. On est dans la jungle là, avec les gens qui nous suivent, Moulinette Mouillette. On va voir, on va au bassin de je sais plus quoi, je vais vous dire ça après. Et apparemment il y a une super belle cascade, voilà, et là on est au milieu de rien. Au milieu de la jungle. Bonjour les amis. Allez. Allez. Nous.
Attends, juste. Pourquoi pas.